Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite d'aller aussi bien que moi à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on a eu avec Yoda une énorme, juste une sublime, une magnifique nouvelle qui nous est tombée dessus. C'est vraiment quelque chose mais qui nous impressionne tout simplement parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Donc ceux qui nous suivent sur Twitter, qui sont assez fidèles à tous les tweets qu'on peut lâcher, et malheureusement ils sont très nombreux, vous serez déjà probablement au courant de cette nouvelle. Pour les autres, voilà la grande nouvelle qui nous est tombée dessus, c'est tout simplement qu'Activision Blizzard a pris cette généreuse décision de nous inviter à visiter les studios Bungie directement à Seattle. Donc vous imaginez jusqu'à quel point on peut devenir fou furieux dans nos têtes rien qu'en ayant entendu cette annonce. Donc on n'avait pas le droit de vous le dire jusqu'ici, ça y est, aujourd'hui on peut enfin informer notre communauté que nous partons et donc notre grand départ aura lieu jeudi prochain, le 23 avril, et on sera de retour le 26, si tout se passe bien, si on décide pas de poser nos valises là-bas et de vivre un peu plus longtemps à Seattle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reste juste quelques jours et on va avoir l'occasion, bien évidemment, de rencontrer sur place d'autres youtubeurs, je pense surtout, même essentiellement des Anglais, des Américains, tels que DPG ou Isino, je sais qu'ils seront présents par exemple. Après, je ne sais pas exactement si on sera logé dans le même hôtel qu'eux, puisque nous, on est plutôt géré par la section française d'Activision Blizzard. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos malheureusement pour ça. Je ne sais pas précisément qui sera invité à cette porte ouverte des studios parmi les autres youtubeurs destinés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y sera et on va avoir surtout, ça c'est vraiment le truc qui nous fait, je crois, le plus kiffer, l'occasion de rencontrer évidemment toutes les équipes de Bungie, donc toutes ces personnes qu'on connaît, qu'on a vraiment vues qu'à travers des pages Twitter, des pages d'informations sur le site Bungie.net par exemple. Là, on va les rencontrer en vrai, en chair et en os. On va même pouvoir passer une soirée avec eux. Apparemment, il y a une petite soirée prévue dans un bar à vin, une soirée, je ne sais plus trop quoi, dans un bar, bref. Ça va être vraiment cool, on va partager ces moments-là avec l'équipe de Bungie. Donc là, c'est vraiment, vous imaginez à quel point on peut être juste fou, dingue, rien qu'à cette nouvelle. Et la deuxième chose qui vraiment nous met KO, c'est qu'on va avoir l'occasion, et là je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient pouvoir vivre ça, l'occasion de tester le prochain DLC, donc qui se nomme House of Wolf, qui sortira le 19 mai prochain, donc la Maison des Loups. On va avoir l'occasion de le tester en avant-première, on va donc savoir avant tout le monde tout le contenu qui va nous attendre pour ce prochain DLC. Malheureusement, on aura un embargo et on ne pourra pas vous donner les informations avant une certaine date, donc ça ne sert à rien de nous poser des questions. On ne pourra pas répondre à tout le monde puisque voilà, notre contrat avec Activision tout simplement nous en empêche. Donc en fait, ce qui va se passer et le pourquoi de cette vidéo, il est là, c'est qu'on va quand même, en parallèle de tout ça, avoir l'occasion de parler avec ces personnes, ces développeurs, ces producteurs. Je sais qu'il y aura dans le tas quelques contacts de référence comme Scott Taylor qui est le producteur, Christopher Barrett qui est le directeur artistique ou encore Lars Bacon qui est le designer. Donc ces personnes et bien d'autres encore du studio Bungie vont tout simplement nous offrir l'occasion de leur poser des questions et de les rencontrer. Et donc cette vidéo, elle est là pour ça. C'est aussi à travers nous l'occasion pour vous de leur demander certaines choses qui vous tiennent à cœur ou alors des choses sur lesquelles c'est pas très clair. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de nous poser toutes vos questions dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. On sélectionnera les plus pertinentes, celles qui en valent la peine, celles qui, bien évidemment, pourraient éventuellement obtenir une réponse. Par exemple, les personnes qui vont demander des choses un peu trop pointues ou un peu trop détaillées sur l'avenir de Destiny, forcément, on ne pourra pas retransmettre vos questions, en tout cas pour tous les autres. Si jamais, essayez, tentez le coup, posez vos questions et si on peut, on essaiera à notre tour de poser directement les questions aux personnes concernées. Voilà, donc on sera donc en parallèle de tout ça absent de la toile Twitter et Facebook et probablement et évidemment YouTube pour 4 jours, donc du 23 au 27 si tout se passe bien. Je pense qu'on aura, même c'est sûr, on a la connexion Wi-Fi à l'hôtel. En vérité, je préfère vous prévenir que si on a 3-4 jours d'absence, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. On fera notre maximum pour vous tenir au courant, vous donner des nouvelles fraîches et bonnes. Et en tout cas, j'espère vraiment sincèrement que vous aurez l'occasion de découvrir ces choses à travers nos vidéos et que ça vous fera plaisir. Je vous fais de très gros bisous et c'est avec beaucoup, énormément d'excitation que je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !